Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre le vocabulaire et via un exercice, on va essayer de le maîtriser. Alors, quand vous avez ces expressions-là, 4 plus 5, c'est la somme de 4 et 5. 10 moins 2, c'est la différence de 10 par 2. 3 fois 5, c'est le produit de 3 par 5. Et 3 et 5, ce sont les facteurs. Il faut le savoir. Quand vous écrivez 20 divisé par 3, on a affaire au quotient de 20 par 3. 20, c'est le dividende, et 3, c'est le diviseur. Pas de difficulté ici. Alors, comment écrire ceci et ceci par une phrase en utilisant le vocabulaire demandé ici? Eh bien, ici, ceci, c'est la différence entre 40 et la somme de 2 et 5. Ici, on a affaire au quotient de 8 par la différence entre 5 et 3. Dans certains livres, vous verrez la différence de 5 par 3, mais on dit plutôt la différence entre 5 et 3. Voilà pour le vocabulaire, rien de très difficile, il faut l'apprendre, mais par contre, il faut bien décortiquer l'expression que vous avez. Vous dites que vous avez affaire au quotient de 8 par cette quantité, et cette quantité, ben, vous dites ce que c'est. C'est la différence entre 5 et 3. Ici, c'est la différence entre quoi? Entre 40 et cette quantité-là, qui est quoi? Qui est la somme de 2 et 5. Donc, identifiez bien les deux blocs avec lesquels vous travaillez. Il y a celui-ci et celui-ci, et là, celui-ci et celui-ci. Et après, vous n'avez plus qu'à appliquer le vocabulaire. Ici, le quotient de 8 par la différence entre 5 et 3. Je vous remercie et à bientôt.